pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Timmy. Alors Catherine, avec vous, on aborde des questions psychologiques en lien avec le confinement, notre situation à tous en ce moment. Aujourd'hui, on voulait parler de ces couples qui n'allaient déjà pas très bien avant l'épidémie, qui étaient même pour certains, forcément il y en a, déjà au bord du divorce, et qui du coup se retrouvent confinés les yeux dans les yeux. C'est quand même une situation un peu compliquée ça, non ? Absolument, bien sûr qu'elle est compliquée la situation, mais elle est aussi une occasion formidable. Bien sûr, on peut s'écharper, on peut en sortir particulièrement perdant parce qu'on avait écrit déjà la fin de l'histoire, mais on peut aussi considérer que comme on est coupé du monde, coupé des regards sur un extérieur que l'on trouve toujours plus beau chez le voisin que chez soi, eh bien pour envisager, regarder concrètement ce qu'est l'autre, cet autre qu'on a aimé en une autre période, et peut-être essayer de retrouver ce qui nous a plu, ce qui a fait la cohérence de la relation et ce qui fait aussi la cohérence du tandem, à défaut de retrouver tout de suite de l'amour, voire de ne jamais le retrouver, mais au moins de voir la cohérence de la relation. Jimmy ? Je trouve un petit peu optimiste, Catherine, mais tant mieux, on a besoin d'optimisme en cette période. Comment on fait ? Parce que je suis une indécrottable optimiste, vous le savez très bien. Non, mais vous avez raison, mais quand la situation est très compliquée, c'est vrai qu'on se retrouve en face à face. Si, alors, je ne parle pas pour moi, tout va bien, mais si jamais c'est compliqué et qu'on doit gérer la cohabitation, est-ce qu'on doit faire chambre à part, dire on mange chacun à son tour, chacun à son tour, la salle de bain, on va se donner un créneau ? Est-ce qu'on doit quand même essayer de mettre des distances pour éviter de péter les plombs ? Je crois que ces couples, de toute façon, étaient déjà dans des situations où ils avaient aménagé ce qui était à faire ensemble ou pas. Donc peut-être avaient-ils déjà les repas ensemble. De toute façon, ils sont tout à fait capables de les maintenir et peut-être peuvent-ils se proposer d'être chacun à leur tour à l'origine de faire le repas pour que justement il y ait une position une position active de chacun. Je pense que de se dire que là est mon territoire. Là... Allô ? Catherine, on a de nouveau perdu Catherine. On a une liaison qui n'est pas forcément bonne. C'est les aléas du direct dans des conditions particulières. Jimmy, vous êtes toujours là, je crois. Oui, et d'ailleurs, on peut en profiter. Je ne sais pas comment ça se passe, vous, Mélanie, avec vos enfants. Vous êtes à la maison, tout va bien. Je sais que vous n'avez pas de problème. Faire, mais en attendant de récupérer Catherine, on peut peut-être raconter ce qui se passe chez nous. Écoutez, moi, ça va, j'ai un mari restaurateur qui ne travaille plus. Donc là, il est derrière la porte, il s'occupe de mes enfants. Et je lui dis d'ailleurs un grand merci parce que c'est pas évident de s'occuper des deux comme ça pendant que maman travaille. Donc il m'envoie des photos temps en temps des enfants derrière la porte. Voilà, mais sinon, ça va plutôt bien chez vous. Il faut reconnaître que lorsqu'on est... Oui, on travaille, mais lorsque c'est vrai qu'on est un peu plus à la maison, finalement, on se rend compte que être à la maison, c'est un travail. Et que c'est pas Catherine simplement s'occuper retour, des enfants. Et donc on a enfin Laura. Elle va nous délivrer, Catherine. On n'est plus obligé de raconter notre vie. Mais Catherine, vous êtes de retour. Ah mais moi, je ne suis jamais partie, mais j'adore. Mais comme ça, moi, je vous écoute. On se confie, là. On aura besoin de vos conseils derrière. Bon, comment on fait alors ? Est-ce que ça ne peut pas être aussi l'occasion avec ces couples qui n'allaient pas forcément... On n'a pas parlé de ceux qui étaient forcément au bord du divorce, mais de se retrouver justement et d'essayer de remettre un petit peu les choses à plat. On a du temps, du coup, pour ça. Moi, je trouve que c'est un moment où on peut se parler et où on n'est pas en comparaison avec les couples voisins, où on ne sort pas pour trouver la fille dans la rue plus jolie et plus avenante et plus polie ou plus agréable, ou le garçon plus attentif. Non, on est entre soi, on a été entre soi, on s'est aimé, donc on peut faire appel à nos souvenirs et essayer de trouver justement le moyen de relancer, non pas l'amour, n'essayons pas de vouloir d'être plus royaliste que le roi. Prenons les choses une à une, à savoir de cohabiter de façon intelligente. Et pourquoi on n'y arrive plus ? Parce que on ne veut pas laisser à l'autre la possibilité d'avoir un tant soit peu de pouvoir, et notamment le pouvoir de nous plaire ou de nous satisfaire ou de répondre à notre besoin. Donc chacun y va de son autorité sur l'autre ou de sa frustration déjà écrite avant même que l'un ou l'autre ne s'exprime. Donc je crois que c'est un moment où mettre le calme dans nos pensées et se proposer de soulever peut-être un sujet par jour, pas tous les sujets qui sont à l'origine de leur tension. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On espère que demain la liaison sera meilleure.